messieurs, bonsoir. La pièce de ce soir va vous présenter des personnages qui vivent des situations de violence et d'intimidation. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, plus précisément d'une pièce de théâtre, les situations qui seront jouées proviennent tout de même de la réalité. Nous avons toutefois à vous avertir que certains mots et expressions risquent de vous faire réagir ou vous choquer. L'essentiel de cette pièce de théâtre, c'est de vous transmettre l'information à propos de cette problématique et aussi vous démontrer qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour aider les personnes que vous connaissez à se protéger contre la violence et l'intimidation. Vous avez tous un rôle à jouer pour y mettre fin. Comment? Regardez ce qui suit. Rejeté. J'ai le goût de lâcher le basket. J'ai plus ma place. Je capote. Je fais juste penser à ça. Je dors plus. Je fais juste penser à tout ça. Je veux pas en parler. Je veux être faible si je le fais. Je mange plus. Ben, je suis pas faim. Je fais des cauchemars la nuit. Je suis plus capable de concentrer à l'école. Ma vie est noire. Tous mes cœurs. Je suis plus capable d'endurer ça. Je me sens si seul. Seul au monde. C'est trop lourd. Je suis plus capable d'endurer ça. Coupez! C'est bien, mais il faudrait un peu plus d'émotion. Il faudrait que le public comprenne que l'intimidation peut amener des gens à faire des choses tristes. Et rappelez-vous, il n'y a pas de petits rôles, que de petits acteurs. Monsieur, monsieur, venez sans Marco, ne sont pas encore arrivés. Encore ces deux-là dans les cuves. Hey, hey, c'est le 171 qui était en retard, c'est pas nous. On avait 10 coups de retard. Bon, c'est assez, tout le monde sur scène. Mettez-vous autour de moi. Écoutez, le spectacle est dans 2 jours. On a besoin de chaque seconde. Le temps est très précieux. 171. Bon, est-ce qu'on a tout le monde? Oui. Ce soir est un soir très... important. C'est ça, regardez tous ces gens. Allô. Ok, qui sont venus assister à l'avant-première de notre grand spectacle. Alors, donnez tout ce que vous avez. En passant, cher public, bonsoir, je suis le metteur en scène de cette pièce de théâtre. Je suis fier de vous la présenter ce soir. Comme j'ai trop mal à la tête, je vous laisserai mes assistants qui vous expliqueront le déroulement de la soirée. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, vous verrez des comédiens en action lors d'une répétition. Et comme vous êtes là, aussi bien vous utilisez. En entrant, vous avez reçu un petit carton blanc. Ceci n'est pas pour vous faire de l'air ou pour tuer des mouches. C'est pour vous permettre de participer au spectacle. Ceux qui n'ont pas de carton blanc, vous pouvez utiliser la feuille Internet, c'est moi qui décide, que vous avez reçu pour voter ou pour choisir votre choix. Et, ou sinon, vous levez la main, c'est à main levée.
Et avec ce carton-là, on va vous poser des questions à laquelle il faudrait répondre oui ou non. Il faudrait juste simplement lever votre carton. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Ok, tout le monde, on retourne se passer. On reprend avec la scène de Kim et Ricky. On reprend la dernière phrase avant de poursuivre. J'en ai assez. Je suis plus capable d'entendre ça. Je n'aime vraiment pas l'école. Je n'aime plus l'école. Ça fait 4 mois que je suis ici, mais je n'ai pas encore de mes amis. Quand je déplace dans l'école, je t'en souvre de mon rire chuchoté. Dans mon autre école, c'était pareil. Tout le monde riait de moi. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Belles, filles comme moi, rejetées des autres. Je comprends pas pourquoi. C'est fou. Et même quand je suis dans ma chambre sur Facebook, ça continue. Je ne comprends pas. Ça ne m'est jamais arrivé de me faire mettre à part. Au contraire, j'ai toujours été populaire au médecin. Mais là, je ne sais plus quoi faire. Je capote. Parfait. Bravo, bravo. C'est bon. Ils sont bons, hein? Eh bien, je veux vous faire comprendre que ces deux personnages sont très souffrants. Tout au long de la pièce, nous allons voir ce qui s'est passé et ce qu'ils vont faire pour s'en sortir. Aussi, nous voulons que vous compreniez que vos affirmations contre cette lutte de pouvoir, de contrôle, en dénonçant, vous pouvez sortir quelqu'un d'une situation insoutenable et changer sa vie. Changer la vie de Kim? La salle de Ricky? Ok, vous êtes prêts en régie? Ouais! Coupez, vous permettez, monsieur le metteur en scène. Procédez, on va prendre là. On ne veut pas faire de tel en même temps. J'ai une question pour vous. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes présentes lors d'une situation d'intimidation? Est-ce A, 23%? B, 52% ou C, 88%. Ceux qui pensent A, 23%, lèvent votre carton. Ceux qui pensent B, 52%, lèvent votre carton. Et ceux qui pensent C, 88%, lèvent votre carton. La réponse est... L'intimidation se passe en présence des témoins et que les agressions cessent à l'intérieur de 10 secondes dans le détail de situation lorsque le témoin intervient directement. Alors surtout, n'hésitez pas. Et on, c'est l'aide de Kim. Ok, c'est parti! Et la lettre, on sait même pourquoi t'as pas d'amis. Quoi?
Mais parce qu'il était aussi con qu'il était moche, quoi. Tout le monde sait que t'es une bitch. Ça a trouvé de la rumeur. À te voir la face, on dirait que t'es la sœur de Frankenstein. C'est bien méchant, ça. C'est non, c'est juste la vérité. C'est juste une salope. Il y a plein de monde qui bosse comme nous à l'école. Salope. Sale, 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 sale. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Rien, madame. C'est juste que je me suis chicanée avec ma mère aussi. Ma mère m'a dit que ça va aller. T'es sûre que ça va aller? Oui, oui. Veux-tu qu'on voit ton ami à la pause ou des ça? Non, 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 merci. Ben, si tu changes d'idée, reviens me voir. Merci. Ok. Savez-vous quoi? Le pire moment de la journée, c'est quand je dois trouver le courage d'aller à l'école. Quand j'arrive devant les portes d'école, j'ai qu'une seule envie. Partir loin. Très loin. Pourquoi on me fait ça, moi? Mais je n'ai rien fait à personne. Je veux juste avoir une vie normale comme tout le monde. À tous les jours. J'ai mal au ventre. Je pleure souvent. Je dois changer de vie. C'est moi qui aurais dû être le capitaine de l'équipe, pas toi? Ça va finir avec moi. Ça va finir avec toi. C'est ça, ça va finir avec nous. Oh my god. Que ça m'arrive de me faire recueillir comme ça. J'ai accepté d'être capitaine. C'est mon coach qui me l'a offert. Mars croyait être capitaine cette année parce qu'il est le meilleur joueur de l'équipe. Depuis ce temps-là, il y a plein de monde qui m'appelle le tété du coach, le fif,
la nuisance de l'équipe. Des mots et des gestes qui peuvent paraître banals et se répéter dans notre quotidien. Regardez bien ce qui suit dans les quatre scénettes suivantes. Mais j'en ai plus pour toi. Maintenant, passez-vous à l'équipe de 4 pour faire le travail sur les déterminants. Ouais, oh non, on va avoir un travail d'équipe. Il n'y a jamais personne qui veut se passer avec moi. C'est toujours la fois qui oublie. J'aimerais beaucoup jouer au rang des Grecs Création. Souvent, quand je demande aux autres de jouer, je me fais dire. On est assez de toi. Viens dans l'équipe. T'es trop nul. Non, je veux pas de toi. C'est pas jouer. Tu veux pas lancer, non. T'es pas. T'es bourré. Je passe donc mes récrits à marcher toute seule en attendant que la leçon. J'essaie de faire des gros efforts pour augmenter mes notes en maths. Je travaille avec Madame Esther. Orthopédagogue, mais ça reste difficile pour moi. Chaque fois que l'enseignante me questionne, plusieurs élèves rient et font des commentaires. Lui? Lui, combien? T'as trop nul! Nous venons de voir plusieurs petites situations. Maintenant, à vos cartons. Pensez-vous qu'ici, chacune de ces situations, c'est de l'intimidation? Ceux qui croient que oui, levez vos cartons. Parfait, vous avez raison. Et pourquoi? Parce qu'il y avait répétition. Autant que dans la scène des filles, de Magali, de Philippe, que dans ma scène, il y a répétition. C'est-à-dire que ça arrive souvent, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, ou même à tous les jours. C'est pour ça qu'on peut parler d'intimidation. Aussi, avez-vous remarqué qu'il y avait toujours plusieurs élèves contre un seul?
On appelle ça un déséquilibre de force et de pouvoir. Ce déséquilibre peut être aussi physique que psychologique. La nouvelle est une vraie pute. Il paraît qu'elle a embrassé tous les gars de sa classe. Yeah, même les nerds. Comment ils ont fait pour l'embrasser d'accord? Elle est comme en tête. Il paraît qu'elle les a payés 50 cents pour pouvoir les embrasser. Une vraie bitch. Attention les filles, je sais que la gare occupée de ces grosses lèvres. Franchement, elle est même pas belle. Non, c'est seule. Yeah, une vraie face de babouin. Yeah. Ah, tu pas pour les babouins, ça? En tout cas, moi je suis sûre que c'est une voleuse de chum. LOL. Parfait. Envoyez un texto à tous vos amis. Fini. Ok. C'est fait. Rebonsoir tout le monde. Nous venons de voir une autre situation d'intimidation, mais cette fois-ci sur Facebook. Sortez vos cartons. Selon vous, est-ce que les filles sont plus à risque de cyber-intimidation que les garçons? Qui dit vrai? C'est faux. La violence électronique, bien qu'elle soit indirecte, est aussi présente chez les filles que chez les garçons, soit au primaire ou même au secondaire. Saviez-vous aussi que la cyber-intimidation est la forme d'intimidation la plus destructrice étant donné la rapidité à laquelle un texto peut être lu et reçu par vos amis, les contacts de vos amis, les contacts de vos contacts, et la chaîne continue. Avant d'écrire quoi que ce soit sur Facebook, posez-vous deux questions. La première, est-ce que je serais à l'aise que mes parents lisent ce que j'écris sur Facebook? Et deuxièmement, est-ce que je serais capable de dire la même chose à la personne si elle était en face de moi? Cyberagression, quand tu vois des camarades s'en prendre à d'autres en utilisant le web, les médias sociaux, les courriers ou les téléphones. Quoi c'est ce que tu peux faire? Réagis! Oui, réagis! Refuse toujours de transférer ou d'envoyer une image, une vidéo ou même un message et se tendre pour quelqu'un. Oui, refuse! Sauvegarde. Sauvegarde les messages de cyberagression que tu vois. Ce sont des preuves. Oui, sauvegarde! Nomme les incidents dont tu es témoin. Ou un indice de confiance. Oui, nomme! Signale les incidents dont tu es témoin à un indice de confiance. Signale les actes de violence et d'intimidation à la police s'inclinant des messages que tu juges dangereuses et sérieuses. Oui, signale! Oh. N'oublie pas que ce n'est pas stylé aussi chez mes biens pour aider et dénoncer. De la cyberagression, tu peux faire quelque chose. Tu peux aussi parler à un adulte à qui que tu as confiance. Si tu ne fais rien, les conséquences peuvent devenir de plus en plus graves pour la ou les victimes.
aurait un petit problème. Il se passe quoi en arrière? Tu vas aller faire quoi maintenant? Pleurer, soulager pas ta maman? On aurait dû te garder Captain Max. Écoute, mon père, le gym il était plein là. Ils t'ont tous vu manquer de panier. C'est quoi le problème? C'est quoi la joke là? Ta maman t'as pas donné tes vitamines à matin? En parlant de ta mère, moi j'en ai une bonne. Ta mère est tellement grosse que quand il va au cinéma, personne ne peut plus voir l'écran. Yo, ta mère a tellement de dangereux. Que quand elle traverse la rue, les voitures ralentissent. Tu penses que ça c'est normal? Ralentissent! Écoute, hey. Ta mère est tellement poilue que quand elle promet le chien, c'est elle qu'on caresse. Ah bon? Moi je pense qu'on a assez perdu de temps. Lève tout de suite ce chandail. Tu fais honte et tu penses à toute l'école. Maintenant, nous allons voir ce que l'école va faire. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas à l'école aujourd'hui, mais vive la technologie. Alors, je vois que la psychoéducatrice, elle est là, l'éducatrice spécialisée, la psychologue. Merci d'être toutes là. On pourra tenir notre rencontre hebdomadaire. Alors, maintenant que nos actions de prévention sont planifiées pour le reste de l'année, j'aimerais vous entendre sur le climat de l'école. Est-ce que vous avez été témoin de situations d'intimidation récemment? Merci tout le monde. Bon travail. Et n'oubliez pas de me faire un suivi après votre rencontre. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bye. Thank you.
Les filles, si on est ici, c'est pour faire un retour sur votre suspension et pour rencontrer l'agent socio-communautaire. C'est quoi ça, une agence socio-communautaire? Nous avons décidé, la direction et l'équipe d'intervenants, de vous voir chaque semaine, pour un bout de temps, pour s'assurer que vous avez bien compris et pour protéger Kim. On va regarder ensemble comment vous pourrez réparer les gestes que vous avez faits. C'est parfait? Je suis allée tellement trop loin. Je ne sais pas que ça pouvait faire tant de mal à Kim. Pourtant, je sais comment on peut sentir quand on se fait intimider, sa mère et vous, primaire. Et je savais pas que c'était un acte criminel faire de l'intimidation. Pourquoi j'ai embarqué dans ça? Je voulais tellement que Shakisha m'aime, je me sentais folle à ce côté. Je suis tellement influençable. Ils ont dit que je devais m'apprendre à m'affirmer. Oh my god, pourquoi je fais ça? Mes parents vont capoter. Ouais, je vais changer d'avis. Pauvre Kim, elle n'était pas ça, je regrette tellement. Oh, bravo les filles, bravo, bravo, c'était parfait. Bravo, madame l'intervenant. Bonjour, s'il vous plaît. Bravo, et oh, que dire de vous, madame l'agent socio-communautaire? Hollywood vous attend. J'ai eu une contravention hier soir, vous n'oubliez pas. Restez pas là. Avec les scènes où l'on voit les interventions qui ont été faites auprès de Kim et Ricky pour les sortir de ces situations. L'important, Kim, c'est qu'à partir de maintenant, s'il y a quelque chose qui se passe, tu viens nous voir tout de suite. Si tu es d'accord, on va te rencontrer chaque semaine pour t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Je crois que c'est aussi important qu'on travaille au niveau de ta confiance en toi et de ton estime. Aussi, il faut que tu apprennes à t'affirmer, à mettre les pieds à terre. Plus tu vas t'affirmer et prendre ta place, plus tu vas gagner de la confiance en toi. Et ça, ça se voit. Mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'accord. Sans prêt. Ok, je suis avec toi, Kim. Merci beaucoup, madame. Je te t'aime encore, cette fille-là. Tu sais, l'équipe, j'ai remarqué qu'il y avait une attention à toi, Max. Avoir su, ça fait longtemps que je comptais vous. Mais je ne voulais pas que ce soit si pire, et je me disais que j'allais passer pour un faible. Tu sais ce que c'est une gorette pour ta vie? C'est inacceptable. Quand ils vont réintégrer l'équipe, ben, ils vont leur demander de s'excuser envers toi, de réparer leurs gestes, et aussi m'assurer qu'elles ont une attitude exemplaire. Merci, coach.
passe. De dénoncer. Les témoins sont alliés numéro 1 de la prévention contre l'intimidation. Il faut que les adultes de l'école sachent pour intervenir. Alors surtout, n'hésitez pas. Tu te fais intimider par ça. Eh oh! Qu'est-ce qui se passe en arrière? Oh! On se réveille! Ah, tes amis, tes parents, les intervenants de l'école, ah, tes professeurs. Ou à la direction. Si tu ne dis rien, ça va continuer et ça peut s'aggraver. C'est la peur qui fait en sorte que tu hésites à dire quelque chose. Et toi, comme témoin, si tu vois ce genre de situation, parle-en. Ça reste anonyme. Quand les personnes qui t'attirent viennent vers toi, va-t'en, ne reste pas là, pars plus loin. Puis fais-toi des amis, reste pas tout seul. Reste près des adultes lors des pauses, des placements et du dîner. Fais comme si t'avais fais comme si t'avais confiance en toi. Allez, on continue. Quand tu vois des gens qui étaient, va voir de surveillance. Lors de tes déplacements à l'école sur le trajet pour aller à la maison, change l'aide. Change de chemin ou passe près du chauffeur de violence. Ou encore, reste avec du monde que tu connais. Essaie de trouver une activité qui t'intéresse à l'école. Le dire, c'est mettre fin à un cycle de violence. Faites-nous confiance. Cela change notre vie. Ensemble, nous vous rendons la différence. Thank you.
seul dans le noir, le cœur brisé comme un miroir, besoin d'en parler. Y'a personne pour m'écouter, je voudrais m'en aller, trouver quelqu'un pour m'aimer. Le temps est venu, levons-nous, élevons-nous voix. Le temps est venu, ensemble nous ferons la différence. Je ne veux plus pleurer, mon cœur brisé doit guérir, peur de dénoncer. Aujourd'hui je te dis adieu, besoin d'un